Je suis Balbi Vincent, président de l'association bouliste Gilles Lenoir à la CEPA, le lieu mythique où la pétanque a été inventée. C'était un commerçant de la Ciotat qui s'appelait Jules Hugo, mais qui à l'époque le surnommait Lenoir. Il y avait pas mal de surnoms à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Et quand il jouait au jeu provençal, vous connaissez un peu le jeu provençal, 15-20 mètres, 3 pas pour tirer compagnie. Un joueur était perclus de rhumatisme, il n'y arrivait plus. Et les patrons de l'époque, qui étaient les frères Pétiot, qui tenaient ce boulodrome, c'était un ami intime, ils y ont dit, Jules, on va essayer de faire quelque chose pour te faire plaisir, parce que tu ne peux plus bouger, on va se mettre, nous aussi, sans bouger, les pieds tanqués. Pestanka, pétanque, pestanka en provençal, pétanqué, pétanque, c'est devenu pétanque à l'époque. Ah, j'ai tout dans la vie. Tu as gagné deux fois déjà. La pétanque était toujours représentée, une boule de pétanque avec un verre de pastis. Le côté convivial, oui, entre amis, tout ça, ça se fait toujours. Mais par contre, vous, en tant que club de pétanque, si vous faites des concours, il faut mettre de l'argent. Chacun mise 5 euros, on cumule tout ça, plus la dotation du club, et on partage sur les gagnants. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été pris un sport dans les Jeux Olympiques, vu que c'est connu dans le monde entier. Donc, est-ce que c'est à cause de l'alcool? Moi, je pense plutôt que c'est commercial. Un jour de pétanque, il ne faut pas grand-chose. 3 boules à la main, ça rapporte quoi? Je suis fier de représenter le lieu mythique de la pétanque, parce que vu que c'est répandu dans le monde entier, ça fait quand même un chaud au cœur d'être là et de parler de ça.